plaisir que cet événement se déroule ici, sur les bords du lac d'Aiguebelette, aujourd'hui classé en réserve naturelle régionale. Cette manifestation est en cohérence avec toutes les politiques de préservation et de valorisation du lac que les élus locaux en lien avec les associations ont menées depuis plusieurs décennies. Nous allons donc, durant ces deux jours, faire un grand voyage dans le temps en souhaitant que la grande traversée ne soit pas qu'un simple passage, mais une première escale vers d'autres aventures à la découverte des villages lacustres. Ce week-end, on a eu une chance exceptionnelle de pouvoir compter sur énormément de bénévoles qui font que ce week-end a été une belle réussite. Et ensuite aussi, l'événement, ça pose la question de comment faire inscrire et comment rebondir sur les dynamiques qui ont été impulsées et que ça ne reste pas un épiphénomène, mais que ça se traduise par des choses plus en profondeur avec une valorisation plus continue. Des enfants qui sont très 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 curieux. C'est un moment qui est assez magnifique au bord du lac avec de jolies lumières. Tous les intervenants sont dans l'expérimentation et ça apporte d'autant plus d'intérêt. Au bord du lac et pouvoir raconter aux enfants comment au néolithique il est plus bas et que les traces d'habitat sont juste là à quelques mètres sous l'eau et leur parler de ces hommes qui nous ressemblaient tellement, à qui nous ressemblons tellement dans cette proximité là, c'est aussi très très fort pour nous comme pour eux de se rapprocher d'une histoire qui est très lointaine et qui à la fois est la nôtre. J'ai pris conscience de l'histoire de ce pays, alors que jusqu'à maintenant, je connais que l'histoire du quotidien, quoi. Grâce à ces trois jours, je vais pouvoir plonger dans la véritable histoire. La culture, elle doit aussi permettre aux enfants de devenir les adultes de demain. Et donc, c'est essentiel d'arriver à leur donner toutes ces petites choses qui feront qu'ils seront des adultes responsables et qu'ils auront envie à leur tour d'organiser des événements, de partager, de se parler avant tout.
et je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements les premiers de la régate locale. Eh bien, c'est tout simplement l'équipe des habitants de Novalaise et d'Aigbelette. Depuis qu'on est ici, c'est le premier événement où on a trouvé qu'il y avait du lien, de la rencontre, de la simplicité, de la famille, de la créativité, de l'innovation, de la joie. Ben finalement, bravo. Donc très satisfait de cet événement et oui, on a envie que ça se renouvelle. Ouais.